Cette vidéo vous est présentée par L'Heure de la Pêche, mon shop référent avec des milliers de produits. Et pour tous vos achats, n'oubliez pas le code promo Aminiac. Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je suis pas tout seul. Ça va, Tim? Ça va et toi? Ça faisait longtemps. Ça faisait un petit moment. Ça fait plaisir? Ouais. Retour à la carpe? Retour à la carpe. Bon, on va essayer de pêcher un maximum de fiches. Hier soir, il y avait gavé d'orage. Donc, c'est pas plus mal. Est-ce que les poissons vont réagir positivement à ce changement de température? On espère en tout cas. On est en plein été. Objectif pêcher? Mais à la bouillette? À la bouillette. À la tutti frutti? Ouais, on va essayer de concrétiser ça, on change pas une équipe qui gagne. C'est ça. Ça a marché pour moi il y a quelques jours, donc on va voir. Potentiel, ouais, t'as fait une belle carpe de 20 kg, donc voilà, on est toujours sur cette petite ancienne gravière, aux eaux caca, aux eaux dégueulasses. Ah, avec l'orage là. Ça a dû bien remuer, mais en tout cas, il y a gavé de fiches ici, donc c'est ça qui est super cool. On a 6 cannes, donc 6 possibilités d'attraper du poisson. On va essayer d'alterner aussi. Moi, j'ai mis une canne. Avec un tutti frutti différente que la tienne. Et je vais essayer avec. T'as essayé aussi avec des petites bouillettes. Donc des petites bouillettes 12. En 12 mm avec un petit grain de maïs en pop-up. Voilà. On va voir pour changer un petit peu. C'est ça. J'ai fait un montage zig sur une de mes cannes. Sur les autres cannes, je vais utiliser un montage classique, un clip plomb, petit bas de ligne tresse avec montage cheveux et bouillettes avec un sac PVR, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas oublier les sacs PVR. Surtout pas. Non, non. Malheur, malheur. Oh là là, les sacs PVA, jamais. Allez, c'est parti. Allez, go, c'est parti. On y va. Allez, c'est parti, je vais lancer mon deuxième montage, parce que j'ai déjà lancé mon premier montage zig du côté de l'île, pas dans le nord, hein, l'île là-bas. Allez, c'est parti. On va viser la lune, comme ma belle bête a dit, parce que c'est l'heure. Viser la lune. Quelle belle voix. Allez, on va lancer là-bas. Deuxième tentative et une. C'est parti. Va-t-on atteindre les 100 yards? 100 yards, ça fait loin, non? Je sais même pas combien ça fait. Je sais pas. Ça paraît loin, non, mais... Ouais, ça paraît très très loin. Allez, tire plus fort que tes bêtes. Ah bah, je suis pas si bête que ça. Ah, quand même. Je suis un petit peu bête, hein. Et voilà. Du coup, on va installer tout ça et en espérant que ça morde comme il faut aujourd'hui, ce matin déjà. Il est 8h. Tim a déjà installé toutes ses cannes. Moi, j'installe petit à petit, au fur et à mesure. Je vais sortir aussi le dipper pour voir un petit peu où, peut-être où sont les poissons. Est-ce qu'on va pouvoir les voir avec le dipper? Ça va être l'objectif de cette vidéo aussi, c'est d'essayer de montrer où est-ce qu'on pêche. Parce qu'il me semble qu'on pêche un plateau, hein, c'est ça, hein, Tim? Ouais. On pêche dans très peu de fonds. La partie gauche, c'est un plateau, et puis après, ça descend en pente lentement sur la partie droite. Voilà, donc du coup, y a un pêcheur, deux pêcheurs, trois pêcheurs. Et nous, on s'est mis toujours là, et c'est toujours là qu'on fait les poissons. Donc, faut pas le dire. Ils sont très mal placés. Allez, on va positionner tout ça. Hop là. Tac. En espérant entendre biper comme ça. Ce serait super cool. On met le petit écureuil. Tac. On met le petit frein de départ. On le règle pas trop faible parce que si ça met ça part dans les. Parce qu'il y a des petits poteaux en fait. Parfois on les voit, parfois on les voit pas. Et en fait, si on regarde bien, il y a quelques petits poteaux. Et le problème, c'est que si on va dedans, eh ben on reste coincé. Ça nous est déjà arrivé plusieurs fois, ça. Oui. Notamment des beaux poissons que. Un poisson que tu as perdu qui était magnifique. Tu te rappelles? Oui, je m'en rappelle. Ça fait mal de se rappeler. C'est une douleur que tu me. Impérissable. Ouais. Ah. Allez, on continue. C'est parti. Bon, du coup, je vais pas faire comme d'habitude, lancer le dipper, vous montrer qu'est-ce qui se passe. Cette fois-ci, je vais vous montrer directement sur le téléphone le fish premium, le fish dipper premium,
qui te donne accès à multitude de spots près de chez toi et qui s'est déjà répertorié. Donc tu as la bathymétrie, ce qui peut te permettre de déterminer les fonds et l'endroit où tu vas pêcher pendant ta session. Allez, c'est parti, on bascule sur le téléphone. En fait, si vous voulez, sur mon application, donc voilà, j'ai plusieurs choses. J'ai pas connecté le Dipper, tout simplement parce que j'en ai pas besoin. Je veux juste avoir accès à ça. Du coup, voilà, on a accès directement. Bon, ça, j'avais déjà sondé avec Tim. C'était la session d'avant. Et en fait, nous, on va pêcher cette zone tout à gauche. Alors là, il y a une zone grisée, tout simplement parce que c'est la réserve. Donc, on peut pas... ça n'a pas été sondé, tout simplement. Ça me paraît logique. Ce qui est intéressant, c'est de cliquer sur un endroit et de savoir la profondeur. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc là, on a 1m70. Là, on va avoir 2 mètres. Ah, tu vois, il y a un trou à côté de l'île. Ça, c'est intéressant aussi à savoir. On a une belle cassure là sur la bordure. Puis ici, nous avons l'endroit le plus profond qui va à 4m30. Donc on a jeté 2 cannes aussi dedans. Donc on bascule vraiment sur différents biotopes. Ici, avec beaucoup d'obstacles sur le côté gauche, à côté de l'île. Et à droite, vraiment cette zone très profonde où potentiellement peut-être les poissons vont se reposer ou bien je ne sais pas. Donc c'est ça qui est intéressant avec le Fish Dipper Premium, c'est que vous avez accès à ce type d'informations. Alors si tu veux aller voir justement ce petit concept, va dans la description, il y a un lien qui te permettra d'aller directement sur le Fish Dipper Premium et de souscrire si tu le souhaites bien évidemment. Ça permet de faciliter les sessions de pêche du bord et en flotte tube et en bateau si tu n'as pas de cartographie classique. Allez, on continue, on va essayer de prendre un poisson, Tim, quand même. Allez, on va essayer. Allez, c'est parti. Oh, t'as une touche. C'est tendu d'un coup. Ouais. Ah. Bon, il a le même phénomène que tout à l'heure. Comme s'il y avait quelque chose qui tirait et... Rien ? Si. Si, t'as quelque chose. Ok, il y a un poisson là. Ouais. Poisson pour Tim. Ça n'a pas l'air gros. Hein. Ça ne l'est pas. Tu veux passer comment ? Par-dessus la canne ? Je sais pas trop où. Vas-y. Par-dessus. Vas-y, ouais, tu peux passer. Merci. Avec plaisir. Bon, et ben voilà. Ça fait au moins un poisson, quoi. Hop. Qu'est-ce que c'est donc ? Petite brémasse, une petite tanche. Ouais, c'est... Oh. Un petit carassin. Super. Et ben, écoute. C'est déjà cool. T'as vu là-bas ? C'est déjà cool. Eh ben super, mec. Bravo, ma gueule. Super. Mais ça fait plaisir quand même. Il est magnifique. T'as vu ça, la beauté que ça ? C'est joli, hein ? C'est super beau. Allez, bien, on va remonter ça. Et on va faire... C'est petit, mais c'est cool, tu vois. Comme quoi, ce petit montage est... Ouais, pas mal. Excellent. Super ça, mec. Voilà. Hop. Pas vraiment, mais bon, c'est cool quand même. Bon. Et ben voilà, petit carassin. Super. Nickel. Il est magnifique. Il a une couleur, c'est juste trop trop beau, quoi. C'est joli, hein. Ouais, franchement, c'est super beau. C'est un petit poisson, mais c'est chouette. Ouais, ça fait déjà plaisir. C'est cool. C'est mieux que zéro. C'est ça, exactement. C'est ça qui t'a embêté tout à l'heure. Ouais, c'est un petit truc comme ça. Allez, et ben, il va retourner à l'eau, tranquillement. Bien joué, Tim. Merci. Super. Avec quoi tu l'as pris ? C'est un petit montage avec une bouillette de 12. Petite bouillette de 12 citrus. Ouais. Avec deux petits pop-up maïs blanc. D'accord. Voilà, petit montage assez Cinq. Fin, assez léger, mais qui, bon, a fonctionné. Ça fait deux fois, hein, t'as eu deux touches. Hein. Ça fait deux fois en peu de temps. Alors bon, c'est pas sur des gros poissons, mais en tout cas, on sera pas bredouille aujourd'hui. Exactement. Allez, on continue. Bon, t'as des touches là, je pense, hein. Ça titille un petit peu. Ça doit être un petit poisson, peut-être. Ça titille le bout, hein. Comme tu dis, ça titille le bout. Allez, vas-y. Montre-nous qu'est-ce que t'attrapes. Oula. Ça a tiré un peu au début, mais ça n'a plus rien fait après. Ah. Oh si, il y a quelque chose dessus, non ? Non. Il n'y a rien ? Rien du tout. C'est vrai ? Ouais. Ah ouais, il n'y a rien. C'est bizarre ça quand même.
Ouais, je sais pas, c'est sûrement... Attends, ça te titillait comme il faut, hein. Ça rend tout petit, hein. Parce que... regarde, montre le montage. En fait, là, il est parti sur un montage spécifique avec deux petites maïs pop-up et une toute petite bouillette. Voilà. Dommage. Dommage, mec. Bon, c'est parti remise. Bon, j'ai changé mon montage, j'ai mis un montage zig avec un long badling fluorocarbone, une bouillette pop-up plus une petite bouillette avec toujours le sac PVA. Donc on va essayer de lancer là-bas. On va essayer de faire ça. On va voir. Alors, je vais lancer ici. Voilà, pas trop loin. Ah, tac. On va voir. On va poser ça. On a changé le montage et on va voir. Voilà. Tac. Ça c'est fait. On règle le frein. Nickel. Il n'y a plus qu'à attendre que ça bipe. Bon, espérons que ça bipe vite. Ce serait bien. Je dois avoir un poisson, les gars. Oui, hein. Ouais, poisson. C'est pas gros, hein. Poisson, c'est pas gros du tout. Non. Attends, c'est décroché. Non, poisson. Bon les gars, poisson, ça a pas l'air gros. Ça a l'air vraiment tout petit. Ouais, ça a l'air vraiment très petit. Ça doit être encore un carassin, je pense. Ouais, c'est un petit carassin. Bon, ton montage, il marche bien, hein. Au moins, il y a des touches. Ouais, ça mordit. Ouais. Super ça. Oh, il est magnifique, il est super beau. Wow, il m'a fait un rush, mon gars. Yes, super. Nickel ça. Hop là. Oh, le bourbier, il passe ça en dessous. Et voilà, c'est bon. Nickel. Oui, monsieur. Bon, super. Ah, le pauvre. Ah, il était bien piqué. Hein. Il n'a pas eu peur de la bouillette. Bon, ben voilà. J'ai fait mon petit carassin, moi aussi, avec ce montage pop-up. Petite bouillette en 14. En 12, pardon. Donc voilà, ça le fait, super. On va l'arroser un petit peu. Ils ont des couleurs magnifiques, ces petits carassins. C'est super beau. Voilà. Alors c'est pas gros, hein. On n'est pas venu là pour ça, mais voilà, c'est déjà un petit poisson. Ça fait plaisir. C'est super cool. Allez, on va le remettre à l'eau tranquillement, et puis on va essayer d'attraper son arrière-arrière-grand-mère. Allez. On va le remettre à l'eau tranquillement. Carassin.com. C'est carassin.com. C'est un truc de fou. Allez. Il ouvre la partie. Bon. On a quand même fait un poisson. Ça, c'est cool. Là, là, à gauche. Là, devant toi, là. Non, je te regarde. T'as tout détendu. Ouais. C'est encore un carassin, ça. Oui. On est abonné au carassin, quoi. C'est carassin.com. J'ai même pas mes lunettes.
Ouais, je sais, je vois. J'étais en train de faire mon montage, changer de montage, un petit bonhomme de neige là. Elle est où ta canne là? Et elle est à droite. Tu peux passer en dessous si tu veux. Ah ouais, ah c'est quoi? Ouah, le carassin de ses os quoi. Tu le décroches en bas? Celui-là on le monte pas celui-là? Non. Il n'y a pas tout de pied hein. Bon, mais un nouveau carassin encore. Décidément on est abonné au carassin hein. Là, aujourd'hui, et cette fois-ci ouais. À la grosse bouillette. Enfin à la grosse bouillette, à la 20 mm. Tutti frutti, tutti quanti. Mais ça fait une touche au moins. Oui. Ça c'est bizarre, ça sonnait pas. Je me dis c'est chelou. J'ai même pas entendu moi, j'étais dans mon... T'étais dans ton truc, ouais. C'est ça la carpe, c'est ça qui est bien, c'est que d'un coup ça part en fait, c'est ça qui est cool. Tu nous le montres? S'il veut bien. Viens là mon petit poulet. Ce que j'ai remarqué c'est qu'ils sont souvent tordus les carassins comme ça, t'as jamais remarqué? Ouais. Et ben voilà, excellente release. Les voilà partis. D'habitude ils sont calmes ça. Ouais bah bien joué quand même mon gars, ça fait plaisir. Ça nous aura occupé un petit peu. Ouais, genre 30 secondes quoi. Genre, ouais, 30 secondes. Le temps de ramener un poids mort. Ça, c'est du combat. Ça, c'était un bon combat. Bon, mais on continue alors. Allez. Par des carassins, on fait pas grand chose, hein? Non, là, un peu calme. C'est dur. Dites-moi, ouais. Vous, dans les commentaires, quand c'est dur comme ça, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous changez de technique? Est-ce que vous changez de lieu? Est-ce que vous changez de parfum, de bouillette, etc. Ça peut être intéressant de savoir ça, ouais. Tu vois. Ça peut être vraiment un plus. Donc dites-moi dans les commentaires, vous, comment vous faites. Petit bilan de mi-journée. Il nous reste encore 5-6 heures de pêche. Comme ça. Du coup, bilan plutôt mitigé. Avec 3 carassins. Excellent. On va nous appeler les pêcheurs de carassins. Ouais, là, c'est bien parti pour moi. Ouais, là, c'est pas bon. Et je sens qu'on va en attraper d'autres. Je le sens trop bien. Enfin bref, l'important c'est quand même de faire du poisson. On en fait, c'est plutôt cool. Il y a nos voisins d'en face qui ont touché une carpe. Donc tant mieux pour eux, félicitations. Et puis il y en a beaucoup de pêcheurs qui sont partis. Donc ça veut dire que c'était pas folichon. Nous on va essayer le coup du soir. Là il fait très chaud. Donc j'ai quand même essayé de mettre un montage d'Erig comme l'inspecteur. Et du coup on verra bien. On verra, l'avenir nous le dira. C'est ça, allez. C'est reparti, on y croit. Ou alors je vais faire une petite sieste. Je sais pas trop. Là pareil encore, je viens d'avoir un pouf. Une petite. Un petit chatouillement. Ouais, un petit chatouillement. Mmh. Ça te donne l'espoir, mais. Y'a rien. L'espoir sur des petits trucs, maintenant on connaît. La carpe, tu sais que. Ça part direct. Ça chatouille pas la carpe. Mais tu sais qu'au carpodrome, là justement, à Sestas, parfois elles viennent chatouiller quand même. Hein. Ah ouais? Ah ouais, elles font des petites touches. Hein. Et après, elles se barrent d'un coup, tu vois. Mais parfois, tu les vois, ça chatouille sur ton amorce. Ah ouais. Allez, c'est reparti. Hein? Cette fois-ci, on prend pas de carassin. Non, pas de carassin aujourd'hui. Non. Objectif carpe. On a fait une petite upgrade. On a réfléchi. J'ai fait la session avec Enzo et Baptiste. Vous l'avez vu en vidéo. Cette fois-ci, on va alterner. Exactement. Toi, tu vas faire full PVA. Et moi, je vais faire full sans PVA. On va voir si c'est ça qui va... On va voir qu'est-ce qui paye. Qu'est-ce qui va payer, exactement. Exactement. Allez, on se laisse. C'est parti. Let's go. On doit monter tout ça. Hein. Allez, ça va être boulot. Ouais. Bon, ça y est, on vient d'installer les cannes. Il fait bon, ils ont prévu quand même de l'orage au cas où, donc faire gaffe. Aujourd'hui, je vais pêcher avec ça là. Les petits Nash Bait. Ça s'appelle les Instant Action. Donc j'ai pris Candy Nuts et Pineapple, donc ananas. J'ai fait un amorce juste avec des bouillettes. J'ai pas mis de sac PVA comme a fait Tim. Donc ça change un petit peu. J'ai beaucoup appris auprès de Enzo et de Baptiste. Ça fait pas de moi un excellent pêcheur, c'est juste que j'ai appris en fait. Donc là, je réitère ce que j'ai appris. Montage spinner rig, donc avec une pop-up, l'hameçon bien décollé du fond. Et un amorçage, très serré avec deux cannes sur le même poste. Un dans l'amorce et un décalé de l'amorce. Et puis un montage près de l'île là-bas. Donc,
Mais on va essayer de faire ça, on attend la touche, en espérant que ce ne soit pas des carassins. Hein, Tim ? Pas de carassins, non, non, jamais. Ah, c'est bon, il y en a marre des carassins. Poisson, les gars, poisson ! Ouais, j'ai les poissons. Ouais, c'est bon. Je l'ai. Magnifique. J'ai les poissons, les gars. Super. Premier départ de la journée. Non, pas par là, pas par là. Ah, la maline. Pas par là. Ah, la maline, elle tourne au coudre du poteau. Dans le poteau. Oh non! Tu vois ce qu'elle a fait? Ouais. Elle est partie autour du poteau. Elle est partie s'entourer autour du poteau. Sur la pineapple. C'est sur le montage. Comment dire? Le montage spinner rig que m'avait fait Baptiste. Et du coup, elle s'est décrochée. Bon, c'est quand même un premier départ, ça fait plaisir. On est arrivé il y a une heure et demie. Donc c'est plutôt cool. Aïe, 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 aïe. Première touche. Ouais. Une heure et demie de pêche. Bon, est-ce que c'est ce que veulent les poissons? Pas de sac PVA, pas d'assiette, on va dire. Déposé, plus quelque chose d'un peu plus éparse. Moins ciblé. Là, cette fois-ci, c'est la canne qui est dans l'amorce, qui a marché. Donc, on va voir si ça va continuer. Elle a été très, très maligne, cette carpe. Hein. Ouais. Elle m'a dirigé directement dans ces espèces de bouts de bois que vous voyez là. Et franchement, très, très maligne. Là, je me suis fait avoir. Là, oui. La prochaine fois. Mais c'est prometteur. Ça avait l'air d'être beau en plus. Hein. Ouais, ça avait l'air d'être très beau en plus de ça. Ouais. Et j'ai rien pu faire. J'ai pas pu la brider, donc. C'est comme ça. Allez, on retente le coup. Allez, c'est reparti. C'est reparti. C'était beau. Ah, c'était vraiment très beau là. Chaud derrière. Ouais, ouais, vraiment intéressant. Oh, je suis vraiment dégoûté. Ah, mais... Bien joué. Merci, merde. C'est prometteur. Ouais, c'est bon. Je vais réappâter un petit peu. Parce que j'ai dû foutre le bordel sur le poste. Bon, je vais réamorcer la zone avec la fronde. Je vais mettre un petit peu de bouillette. Bon, j'ai mis la bouillette strawberry, très sucrée. On dirait qu'il y a un poisson à côté de là-bas. Je sais pas si tu vois là-bas. Oui. On dirait que c'est un poisson. Je crois que c'est un poisson, hein. Ouais. Il est pas loin de mon... Non, il est au-dessus. Meilleure précision que le cobra. Le cobra, j'arrive pas trop. Allez, touche. Elle est dessus? Non, elle est pas dessus. Si? Si, si, elle est là. Tim vient d'avoir une touche. Oh, c'est pas gros. Qu'est-ce qu'on était en train de dire en plus? Après le carassin, la vraie masse. D'accord. En fait, on était en train de dire justement que comment dire, qu'avec les graines qu'il a mises, du coup, il a tiré plus de poissons blancs lui, et moi, c'est vraiment plus carpe, je pense. Et bravo, superbe, Brem. Merci. Hein. Ah, et en plus, t'as fait un départ en plus. Hein. Ouais, la première qui me fait un départ. Ouais, grave. Ah, il s'est senti piquer, mon gars, il a fait. Sur une bouillette de 20 mm quand même. Hein. Alors là, j'ai envie de te dire bravo. Et, allez, on applaudit tous Team dans les commentaires. Wow. Après, les carassins, les brèmes. Oh, tu la décroches là. Hein. Ouais. T'es vraiment un brémiste, toi. Arrête. Je désespère. Le pauvre. T'as là, tu y as cru à la carpe. Hein. Ouais. A voulu. T'as mis un rush quand même. Ouais, t'as mis un rush, j'avoue. Et t'as mis un petit rush. Et ben voilà, ça va te permettre de changer.
Bravo mon gars. C'est quand même un poisson, hein, t'es pas bredouille. Bon, c'est pas vraiment ce que tu veux, mais t'es pas bredouille. En plus, t'as tout juste dit, bon allez, je vais aller voir quand même. Et tac. C'est bien, bien. Bravo mec. Départ pour. Yes, départ. Ah, on l'a attendu celle-là. Enfin mon gars. Là où on s'attendait le moins en plus. Mais oui. Super ça mec. GG mon gars. Super. Ah c'est bon ça. Enfin attelé avec un poisson. Ça, ça fait plaisir. On l'a attendu celle-là. Hein. On l'a vraiment vraiment attendu. Hein. Ah oui. Elle ne voulait pas venir. Et finalement on a réussi à tirer l'épingle du jeu et notre théorie du sac PVA a fonctionné finalement. Hein. Oui. N'est-ce pas ? C'est vrai, hein ? Parce que là, il avait enlevé son sac PVA. Et du coup. Oh, un décro. Oh non ! T'as vu les coups qu'elle me mettait ? Oh non ! Oh non, c'est pas possible ! Oh, c'est dingue ! Aïe aïe ! Putain, elle me mettait cher ! Wouah ! Oh non ! Oh la loose ! C'est un truc de dingue ! Deuxième décroché de la journée, quoi. Oh non, j'y croyais, fait chier. En plus, il n'y avait pas d'obstacle et tout. Elle était belle. Dommage, mon pote. Elle était vraiment belle. Ouais, poisson. Poisson, les gens. Cette fois-ci, je lui mets dedans. Pas qu'elle aille dans les. Ah, je la lâche pas. Je la lâche pas. Non, je lui mets un coup de pression. C'est pas gros. Pour l'instant, ça se débat pas tant que ça. Je suis obligé, j'ai pas le choix, les gars. Faut que ça sorte des. Faut que ça sorte des rochers. Enfin, des branches. Ah, ça frotte, je sens que ça frotte. Je sais pas, elle est où. Je crois qu'elle est passée, non ? Yes, les gars. Je vais descendre. Elle est partie au bord là. Ah, c'est bon, je suis passé. Yes. Je suis passé, les gars. Enfin. Le coup de 15 heures là. Ça doit pas être très très gros. Hein. Je desserre le frein maintenant, je peux pêcher plus tranquillement. Il n'y a plus d'obstacles devant moi. Ça va être une petite carpe. Je passe en dessous mes deux fils. Et le fil aussi de. Ah c'est pas gros. Tu peux aller chercher l'épuisette si tu veux. Ouais. Ah si, c'est une belle carpe quand même. Ça va faire 6 peut-être. Enfin, elle m'a fait un super départ. Donc, cachette. Voilà, belle petite carpe. C'est pas gros, mais c'est poisson quand même. Enfin. J'ai pas le choix que de la brider. Hein. J'avais pas le choix. Se débat vraiment bien. C'est pas gros, ça fait même 3-4 kilos peut-être, 4 kilos. À peine. Elle a pris sur une note. Pop-up goût note. Pas de chez Ben. Hein. Benny Nuts, pour ceux qui ont la ref. En tout cas, elle est bien, bien active. Elle est pas fatiguée. Elle en veut, Joe, elle en veut. Elle se bat bien. Hein. Elle se bat très très bien.
Ah, il ne veut pas lâcher l'affaire. Ah. Ah, il rentre dans le mauvais sens. C'est pas possible. Il est coincé dans sa nageoire dorsale. C'est pas évident là. Il est pas fatigué. Elle est pas fatiguée du tout. Allez, cocotte. Viens voir tonton Amine. Oh, c'est bruit mon gars. Ah, dès qu'elle voit l'épuisette. Oh yes. Yes, je l'ai eu. Enfin. Bien joué. Yes. Ah, oh, elle m'a fait filer du fil à retordre celle-là. Hein? Ça y est. Enfin, pas trop tôt. Après deux sessions quasiment. Mais 13h la première session et là il est 15h donc. On va dire quasiment 24 heures. Hein. Ouais. Quasiment 24 heures. On en décroche deux ce matin, puis là, enfin, on en fait une. C'est pas trop tôt. Voilà. Une belle petite carpe. C'est pas trop tôt. Elle nous a donné du fil à retordre, celle-là. Ah hein. Oui. Franchement, ça doit faire entre 6 et 7 kilos, je pense. Elle est courte, mais très grasse. Ouais, une petite carpe miroir. Enfin! Allez, on va la remettre à l'eau, puis après, je vais vous expliquer avec quoi je l'ai pris. On va la remettre à l'eau. On m'a fait un départ bizarre. Hein. Au début, elle est restée kéblo, puis après, le. C'est bon, mon gars? Allez! On va remettre à l'eau cette belle demoiselle. Enfin! C'est pas trop tôt mon pote. Carassin à Brême, deux décrochés. Enfin. Ouais c'est clair. C'est clair. Ah, en espérant ouais, ce serait cool. Elle avait une belle bouche hein, tu vois, elle est pas abîmée du tout et tout. Allez. Allez, c'est l'heure d'aller ma belle. Bon, je vous rappelle un petit peu le montage que m'avait fait Baptiste. C'est un montage spinner rig, ce qui permet d'avoir une meilleure flexibilité en termes de présentation de l'èche. Tout simplement, on a un corps de ligne, enfin un bas de ligne en fluorocarbone 55 centièmes avec un hameçon qui est juste fixé via une gaine thermo. Enfin, je vais vous montrer comme ça, vous allez voir, juste fixé avec une gaine thermo, puis la petite bouillette qui va au-dessus. Attaché avec du fil dentaire et un petit émerillon afin que ce soit vraiment très très libre et dès que la carpe aspire ça rentre direct et ça pique cash donc voilà cette fois-ci j'ai réussi à le leurrer avec le Candy Nut Crush c'est des pop-up Nash voilà j'ai choisi ça parce que je trouvais que c'était sympa il existe plusieurs goûts 15 mm ça suffit largement voilà enfin une carpe on va relancer tout de suite c'est parti. Allez, ça y est, ça se termine. Maintenant, enfin. C'était dur, hein. C'était pas facile, encore une fois, ouais. Ouais, mais c'était mieux que la dernière fois. Oui. Alors, on a eu une grosse baisse des températures. On a perdu 10 à 12 degrés. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien, un petit peu de fraîcheur. Ce matin, il y avait une belle ambiance avec ce lac et la brume. C'était vraiment magnifique. Deux touches ce matin, deux décroches. Dommage. Ouais, compliqué ce matin. Ouais, ça aurait pu être une belle journée si on avait tout pris. Malheureusement, on a décroché, c'est comme ça. C'est les aléas de la pêche. Belle petite brème pour toi. Ouais. Monstrueuse, hein. Comme d'hab, hein. Ouais, ça fait plaisir. Des petites touches par-ci, par-là. Bon, c'était pas très, très flagrant. Et je sors quand même un poisson.
On l'a pas pesée parce qu'elle était petite, mais je pense qu'elle devait faire aux alentours de 7 kg, comme ça à peu près. Ouais, à peu près. C'est pas très très gros, mais c'est cool. Le montage spinner rig a bien fonctionné. La théorie sur le fait de ne pas mettre de sac PVA, ça a fonctionné aussi. Ouais, surtout sur des lacs pêchés comme ça. Exactement. Ça a été efficace. Voilà. Ne pas proposer une assiette, mais plutôt proposer une bouillette éparse parmi tant d'autres bouillettes. Donc ça a fonctionné, c'est plutôt cool. On a vraiment tiré notre épingle du jeu grâce à ça. D'autres pêcheurs étaient autour de nous, ils n'ont rien fait. Non, donc, c'est vrai qu'on n'a rien vu aujourd'hui. Ça veut dire que c'était assez dur, assez difficile. On reviendra, hein, franchement. Oui. Ça c'est sûr, refaire une petite session carpe, ça fait plaisir. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas d'aller voir dans la description, il y a le lien du Fish Dipper Premium afin de pouvoir profiter de toutes les nouvelles technologies et de profiter de la bathymétrie des lacs où vous allez pêcher. Merci mon team. Merci à toi. Ça fait très plaisir, ouais. Je suis fatigué. On remet ça bientôt. Ah ouais, carrément. Allez, merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Surtout, n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Eh oui.